Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais. C'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Excusez, ma caméra est arrêtée. Un instant. Je vais partir ça. Ça sera pas long. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action. On est mercredi le 27 novembre 2024. Pardon, excusez-moi. Ce que j'ai vu tantôt, c'est que ce qu'il appelle le Fed Preferred Inflation Gauge, donc le gauge de l'inflation, il a augmenté à 2,3% annuellement. Puis ça rencontre les expectations. Et puis il y a Usual Machine Share là que je viens juste de voir là parce que il est en hausse de 100% parce que c'est sur Amex là c'est UMAC. Il est en hausse, ben là, il est en hausse de 77, mais tantôt, il est en hausse de 100%. C'est parce que Donald Trump Jr. A rejoint le conseil d'administration. Après ça, il y avait les demandes de mortgage qui était en haut ce matin. Puis il y a Trump qui a encore fait une autre nomination, Kevin Hassett, au National Economic Council.
Puis ils ont encore parlé des tarifs. Puis il y a OpenAI qui a reçu, qui va recevoir 1,5 milliard en prêt, je suppose. Puis RWD qui est en hausse, je ne l'ai pas à l'écran, mais je vais le mettre là, qui est en hausse, RWD. Attends un peu. Non, c'est pas. Je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas. RWD. Bon, en tout cas, ils disent que la demande pour la sécurité va augmenter. Donc, ce qu'on a aujourd'hui, c'est ce que j'avais dit d'avance. Je prévoyais encore de la correction pour quelques jours. Donc, Nasdaq est en correction. Le Dow qui est en hausse ce matin, il est revenu à zéro, fait un petit rebond présentement. Le SPY qui était à zéro, il est en correction. Puis le SPTT qui est en hausse, il y a quelques secteurs qui bougent. Ce n'est pas les ressources. Le pétrole est à zéro, les matériaux à zéro, les mines à zéro, l'or à zéro, les orifères, c'est-à-dire. Puis ce qui monte, c'est la consommation discrétionnaire, la consommation de base, les télécoms, puis les services aux collectivités, puis la santé, ça c'est boche. Ça fait que, bizarrement, que ça monte. En tout cas, les ressources, eux autres, ça va pas très bien. Mais là, il y a eu beaucoup d'informations qui sont sorties à propos de l'augmentation des tarifs de 25%, là, qui était le vœu de Donald Trump, mais que c'est pas fait parce qu'il n'est pas encore au pouvoir. Et puis on parlait du Canada, de la Chine, puis du Mexique là, pour en hausse. Ça fait que les marchés américains sont en baisse. Le Dow, le SPTT, c'est une petite hausse du côté des ressources. Le gaz est en baisse, le pétrole est revenu à zéro, même s'il était en hausse. Les pétrolières étaient en hausse ce matin, sont revenus à zéro. L'argent est en baisse, l'or est revenu presque à zéro. Les orifères sont à zéro, les mines sont à zéro. L'uranium est en correction, puis le dollar américain aussi. Il n'y a pas eu grand-chose dans les day trades. Il y en a un qui s'est démarqué des autres là, ce matin, là, c'est VCIG, qui est encore en mouvement là présentement, mais pas mal passé son top. Là, ça fait que je m'attends à voir une correction au cours des prochaines minutes là-dedans, là, parce que pour l'instant, son cycle est dans à 80 degrés, là, ça se maintiendra pas. Ça fait que, en gros, c'est ça qui se passe. On fait une petite pause, puis on revient avec la tournée des secteurs. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 codes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques, des alarmes à volonté, des listes de codes préparées, des modèles graphiques préparés, prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Il y a Claude 01 qui vient de m'envoyer deux autres consolidations, TSLQ 1 pour 6. Je vais faire ça tout de suite, je l'ai à l'écran. Puis l'autre, c'est SARK, S-A-R-K 1 pour 3. Pour toi. Comme ça, 3,
Merci beaucoup, Claude. OK. Ça fait que, premièrement, on va jeter un coup d'œil sur les marchés. Donc, vous voyez que le marché de Nasdaq est en correction. C'est ce à quoi je m'attendais. On m'a demandé hier si je voyais un bear market. Non, pas tout de suite. On n'est pas en bear market, là. Mais je disais qu'il n'y avait à peu près aucune chance que le marché remonte plus haut que ça, pour tout de suite en tout cas. Ça fait que, donc, ce que je pensais, c'est qu'on resterait en correction. Donc, ce Nasdaq est en correction, le Dow est en plafonnement, le SPY est en plafonnement aussi, puis c'est juste le TSX qui fait une petite hausse aujourd'hui. Donc, au niveau de l'énergie, on était en correction. On essaye de faire un petit support, mais c'est pas solide. Le gaz, lui, est en pleine chute. Puis les pétrolières font une petite pause aussi. Fait qu'il n'y a pas grand mouvement de ce côté-là. Dans l'or, le dollar américain est en baisse. Et l'or, puis l'or fait un tout petit rebond. Puis les orifères aussi. Du côté de l'argent, ben c'est le contraire. Là, on met de la pression sur un très important support ici. Ça pourrait être un point d'entrée, mais il faudrait qu'il arrête de descendre. Là, on va regarder ça ici. Là. Je vais enlever le hors séance. Puis je vais le mettre en 15 minutes. Ça fait comme vous voyez, on est sur le support ici. Là. Fait que si ça tient le coup, où est-ce qu'il serait le point d'entrée là-dedans? SLV 27,95 à 28,55. Parce qu'en premier, il y a 30 cents à faire ici, puis il y a à peu près 55 cents à faire là. Fait que il n'y a pas rien de bien, bien gros parce que c'est une formation neutre. Les mines étaient en hausse ce matin, mais sont revenues à zéro. Moi, je pense pas que rien de ça va continuer. Je pense que la menace de Donald Trump va continuer, mais excepté que tout le monde sait que c'est dans à peu près un mois et demi qu'il va arriver au pouvoir. Fait que c'est là qu'on va savoir si ça se fait. Fait que on a un petit rebond dans la consommation discrétionaire, mais c'est en fait, c'est une forme, il reste quand même dans sa formation neutre. Il y a la consommation de base, OK, qui fait une grosse hausse ce matin. C'est Couche-Tard qui est en forte hausse ce matin. Les autres, c'est des petits rebonds, mais c'est Couche-Tard qui fait toute l'affaire. Je ne sais pas vraiment pourquoi. Puis les télécoms, on fait un rebond dans la formation neutre. Les services financiers, on a une petite hausse. Les industriels, on a un petit rebond. On essaye de se construire un support. Il n'y a rien de super extravagant, là. Pour ce qui est de Shopify, c'est tranquille de ce côté-là. Les immobilières, c'est un petit rebond. Fait que la seule chose qu'on peut trouver, c'est ça, des petits rebonds. Service aux collectivités, bon, OK, on a eu une belle part ce matin, mais il y a une grosse résistance ici, ça fait que c'est à conserver, mais c'est pas à acheter. Puis la santé, ben c'est Bosch qui fait un petit rebond ce matin dans sa formation neutre. Pour ce qui est des biotech, le cycle est rendu à sa fin. Si jamais il y en a un autre, ben, ce sera un nouveau cycle, mais ça pourrait prendre les deux côtés là, pour l'instant. Si vous en avez, ce sera le temps de prendre des profits. Les autos électriques, ben ça va pas tellement bien de ce côté-là. Là, on voit Tesla en correction. Les autres, c'est des petits rebonds. Puis je sais pas pourquoi que les Chinoises montent. Avec les tarifs que Donald Trump a annoncés pour la Chine, j'ai de la misère à comprendre pourquoi XPeng est en hausse, puis que Ali est en hausse, puis que Rivian est en hausse, mais il est comme sur la fin de son cycle, là.
Ford bouge pas, GM bouge pas ben non plus, essaye de se construire un sport, LV, ben lui est complètement... c'est-tu à LV, ça? Non, ça c'est Lucid, OK. Ça c'est Lyon, lui qui est complètement dans dèche, je sais pas ce qui va arriver. À mon avis, ils vont soit consolider, soit se mettre sur la loi de la protection contre la faillite ou quelque chose comme ça. Mais j'ai pas de nouvelles là-dessus. Du côté des batteries, c'est très calme. Du côté des airlines, c'est complètement flat. Là. C'est fini. On est encore dans une formation neutre. Dans les recreational aussi. À mon sens, je pense pas que ça va aller bien plus haut rapidement. Les blockchains, c'est une formation neutre. J'ai de la misère à me concentrer. Les énergies renouvelables rebondissent dans leur formation neutre. Le lithium, il rebondit d'une formation neutre. Il n'y a rien qui est bullish. Puis après ça, dans les biotech, bon, on a une petite continuité. On n'avait pas grand-chose le matin, là, mais ça, c'est depuis la nomination du gars qui est en l'anti-vaccin. Quand même, il est parti de 26,5 à 28. Il est monté d'une pièce et demie depuis ce temps-là. Ça ressemble à ça. Tu sais, regarde, ça c'est la direction, mais attends qu'on trouve, c'est qui, là. C'est le ETF fait ça, mais j'ai de la misère à trouver dans la liste de titres, des titres qui ont fait ça. Il y a Legal Pharmaceutical, OK. J'ai Dynavax aussi. Puis Akebia, qu'on connaît pas bien, on n'en parle pas souvent de ce titre-là. Puis après ça, ben, les semi-conducteurs, eux autres, c'est bien clair qu'ils sont en baisse. Ils ont eu leur part, là. Un peu, on va regarder à travers le secteur. Bon, Nvidia, qui s'est quand même pas mal corrigé au cours des derniers 5 jours. Donc, qui était dans le coin de 148, puis il est rendu à 132$. Il y a Quantum Computing. Bon, ça, c'est les... Puis là, c'est arrêté pour l'instant pour Quantum Computing, là. Mais depuis quelques jours, là, tout ce qui s'appelle Quantum, c'était en hausse. Tu regardes Micron et à côté son support, Applied aussi s'en va son support, Lam Research, là je ne l'ai pas, il n'est pas correct, j'ai Qualcomm qui s'en va son support, Clot & Clore s'en va son support, Taiwan qui brise son support, donc il semble que, il y a Broadcom qui brise son support, il y a Advanced Micro Device qui brise son support. Donc, la flambée des semi-conducteurs, là, c'est pas mal terminé. On a fait le tour des secteurs. On va répondre à une couple de questions, puis après, je vais arrêter l'émission. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus.
question ici sur le gaz qu'on va mettre comme ça. Comme ça. Bon. Qui est quand même sur un support. Ça fait que, en fait, ça c'est UNG. UNG va sur décrocher. La question est sur KOLD. KOLD, le gaz, lui, est là. Puis KOLD, lui, est à sa résistance. Donc, pour que KOLD, en fait, le prix d'entrée de KOLD serait 63,80. Mais pour ça, il faudrait que UNG, attendez un peu, je vais y aller dans le graphique quotidien aussi. Bon, il faudrait que UNG décroche aussi de son support. Donc, comme vous dites, 63, quelque chose, j'ai dit pour le gaz, ça c'est si le gaz redécroche encore plus bas que ça. J'ai acheté PKI le 30 octobre à 33$. À 33$, il vaut 36$. Il y a 3$ de fait, donc c'est presque dans 8 ou 9% là, dans ce coin-là. Juste aujourd'hui, il y a 5%. Mais par rapport à 33$, c'est beaucoup plus que ça. Là. Fait que ça doit ressembler à 18%. La question, c'est quoi? Je pourrais en vendre une partie et attendre une journée ou peut-être deux. Oui, je trouve, Roger, que ce serait une bonne chose de faire ça. Ça fait que je remercie... Je remercie toutes les sympathies des gens. À qui j'ai appris que hier, que la vie avait deux jours à vivre, mais que là, elle est sur la morphine, elle ne peut même pas marcher. Elle a un cancer gros comme un kiwi, puis la moitié de son foie est grugé par le cancer. Puis c'est demain. C'est demain qu'ils vont l'euthanasier. Ça fait que là, je vais appeler le vétérinaire tantôt. Parce que je le sais, ils en ont donné une injection de morphine hier à la clinique. Puis quand je l'ai emmené, ils ont donné ça à 2 heures. Je l'ai mis dans le lit, puis... a dormi, elle est restée sans bouger jusqu'à 8 heures à matin, puis elle a essayé de descendre en bas du lit, mais elle n'était même pas capable de marcher. Elle faisait la split. Fait que je vais appeler le vétérinaire là, pour savoir si je pourrais mettre fin à ses jours à la maison au lieu de chez le vétérinaire, parce que il me reste 7 injection de morphine. Puis je crois que ce serait létal. Je crois que ce serait suffisant pour mettre fin à ses jours. J'aimerais mieux faire ça ici, dans l'intimité, puis le ramener après. Si, je vais leur demander conseil, voir si je peux faire ça. Puis j'aimerais mieux le faire comme ça. Sinon, ben, je l'emmène au vétérinaire demain. Ma compagne de 16 ans, 16 ans, ça fait 10 ans que je vis avec elle, juste elle puis moi. Fait que c'est un gros morceau que je perds. Fait que je vous remercie d'avoir été là aujourd'hui. Je m'excuse de mon attitude.
Là, je vais aller faire dodo avec elle. Parce que j'ai pas dormi de la nuit. Merci. À demain.